Si Dieu ne m'avait pas béni, est-ce que toi, tu allais m'appeler mon pauvre et misérable petit comptable? On dit celui qui ne dit rien consent. Tu vas boire encore de ton café. En fait, M. Lakmi veut simplement dire que nous pourrions vous soutenir financièrement grâce à notre riz. Et vous mener, pourquoi pas, à la victoire. Ça va, Lynn? Le chef des coupeurs de route ne t'a pas trop fait mal? Te touchant? Lâche-la un peu, s'il te plaît. Ne lui demande pas de me lâcher. Parce que bientôt, c'est sa longue queue qui le lâchera. Mamie, il faut que tu prennes des forces. Je compte sur toi pour convaincre le conseiller du président. C'est cette pression même qui me coupe l'appétit. Noyer le poisson sera difficile, mais on va y arriver. Oh. Ici même, au campement du vieux. Tu m'en sais, connard. Maintenant à genoux. Vite! Sois courageux, parce que rien ne se fait comme ça facilement sur la terre. Ma femme n'a rien à voir avec ça. Nous avons des points de vue divergents. Si. Tout est lié. Pour l'amour de mon prochain, oui. Je suis même prête à vivre dans un taudis. Mon cœur, tu comprends? S'il te plaît, laisse-moi juste une seule chance. Une dernière chance, s'il te plaît. Bonjour, mon beau député. Qui êtes-vous? Je suis celle qui vous veut du bien. Je pense que toi et moi, ça pourrait marcher. Ensuite, la cuisse. C'est quoi ça? Ne bouge surtout pas, Lynn. Et garde ta même position. J'aurais par exemple... aimer passer un moment seul à seul avec mon chef Corée. Pas la tête pour l'instant de penser à ce genre de choses, Lynn. Pardon? J'ai dit que j'aimais mater les jambes de jolies filles et les muscles de beaux gosses. Je pense que ce scénario serait parfait s'il n'y avait que toi et moi comme acteur. Toi et moi? Tu penses pas qu'il est temps de se débarrasser de Joe et Jack? Toute personne à qui nous avons affaire se trouve quelque part dans ce coin. Si nous passons tout notre temps à nous disputer ou à nous chamailler, comment pourrons-nous avoir la force pour attraper notre couleur? Avant que tu meures, tu vas souffrir exactement comme mon frère souffre. Désarme-la, déshabille-la et livre-la moi. Elle va soigner les blessures qu'elle m'a faites. Tu as fini? Quelle position? La position dans laquelle tu es. Parce que vu ton postérieur, tu sais que tu es mal garé. Et c'est mon devoir d'agent de l'ordre de te poser les sabots. Après avoir égorgé et dépouillé tous tes amis, je ferai de toi un trophée de guerre. Un trophée qui servira d'objet sexuel
à m'attribuer moi. Ma reine. Oui. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais Anicette continue toujours de me dire des choses pas bien. Moi, je fais mon effort pour rester correct. Mais elle... Pour plus de sécurité, tu vas te mettre à poil. Faisant ça au naturel, les poissons ne portent pas d'habits. Vous ferez un bon président. Vous le faites déjà, monsieur le député. Voilà. Lui aussi de la brigade rapide qu'il a créée lui-même en 1995. C'est un très bon flic. Oh Abbas, espèce d'idiot, tu peux la taper partout sauf sur la bouche. Les gens qui me cherchent sont prêts à tout pour de l'argent. Tu es sûr que c'est à cause de ton héritage que tout le monde veut s'apprendre à ta vie? Moi je trouve ça un peu excessif pour un problème d'héritage. Corée, 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 tu m'entends? Corée. Mon poignard fera l'affaire. C'est une bonne science. Fais ça avec ton couteau, comme ça je vais boire son sang. Écoute-moi bien, Badi. Sur ce coup-là, ne nous fais pas de vagues. Sinon, c'est ta fiancée et ton fils qui s'y noieront. Parle, sauvage des sorciers! C'est-à-dire que je ne suis pas d'ici. J'ai été agressé par des coupeurs de route. Je ne suis pas un génie, ni un voleur, ni un sorcier. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu penses qu'il est encore vivant? Avec toutes ces bestioles qu'il y a dans le fleuve. Je suis sûr qu'il est en vie. Si ce type est encore en vie, c'est qu'il est vraiment fort. Mon plan serait de choper ce Badi avant la tombée de la nuit. Je ne tiens pas à passer la nuit dans ce village. Qu'est-ce que Badi t'a dit? Je t'écoute, Miss. Non, il ne m'a rien dit. Quatre policiers m'ont enlevé. Ils voulaient savoir où j'ai mis l'argent. Et tu es sûr que je ne risque rien? Rassure-toi, comment compromettre le nom de ma directrice qui m'a toujours soutenue? Dis-moi où est-ce que tu es. Selon mon informateur, ils ne savent que mon nom. Ils savent aussi que je détenais Badi. Mais c'est qu'ils ne vont pas tarder à connaître le nom des flics qui t'accompagnent. Tu veux connaître le nouveau scénario? Dis-moi. On ira jusqu'au bout, quel que soit le risque.